CRS qu'aux manifestants. Nuire un petit peu à notre compétitivité parce que c'est une obligation, mais nous ne faisons pas. Donc, on conçoit des usines sur le marché de la France, sur beaucoup de marchés gros en ligne. J'ai dit à plusieurs reprises depuis mon arrivée dans le Varsin, nous sommes dans la semaine de la prévention pour la santé au travail et la réduction des accidents. Et dans un site comme celui-ci, dans un siège comme celui-ci, dans un secteur d'activité où les risques sont nombreux et importants, faire la démonstration que la culture de la sécurité, de la formation, l'équipement, l'intégration de la sécurité comme une donnée de base dans la conception des équipements permet de diminuer le nombre d'accidents au travail. Et c'est non seulement l'engagement de la semaine, c'est la cause de la semaine, mais c'est un engagement quotidien que les ministères du travail. Ça va, puisque sur le grand point, il y a eu des représentations syndicales qui ont essayé de vous interpeller avec des casseroles. Vous savez, quelques dizaines de personnes qui manifestaient avec des casseroles, ce n'est pas représentatif de toute la France du travail. Et les personnes qui manifestaient ont le droit de manifester. C'est un droit constitutionnel que nous respectons. Vous dites, elles ont essayé de m'interpeller. À chaque fois que je me déplace, lorsque les organisations syndicales demandent d'être reçues, être rencontrées, nous le faisons. Il y a eu tonne de monde. Après, la visite a été faite rapidement, si on peut dire. Ça a été calé hier assez rapidement. C'est peut-être aussi une explication, je ne sais pas. Non, il n'y a pas d'explication. Et au contraire, vous me permettez de remercier Madame le maire, la direction de PAPREC et les services de la préfecture pour la rapidité avec laquelle ils ont monté cette visite hier matin. J'étais à Paris, mais avec les maîtres d'ouvrage et les sociétés, la Société des Grands Paris et la Société des Jeux Olympiques. Et demain, j'aurai l'occasion, dans un autre contexte, d'intervenir sur les questions de travail des seniors, de conditions de travail des seniors et de maintien dans l'emploi des seniors. Toute cette semaine est consacrée à des manifestations de ce type. Il y a des gens dehors qui ont dit nous, on aimerait bien lui parler au ministre, mais c'est vrai qu'on est à distance. Est-ce que vous pensez que ça peut servir de parler avec ces gens-là? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Je répète, le droit de manifester est un droit, nous le respectons et nous le respectons scrupuleusement. Il y a quelques dizaines de personnes qui manifestent, c'est leur droit. Il y a des organisations syndicales qui sont présentes, c'est leur droit. Aucune d'entre elles n'a demandé de rendez-vous d'audience. Madame Lorme déplorait le fait que ces casseroles-là, vous n'avez pas vraiment de débat des emplois, ce qui vous empêche par exemple de sortir et que de laisser. Je vais le répéter, mais nous sommes dans la semaine de la prévention de la santé au travail. C'est ça notre objet de visite. Et c'est ça qui est important cette semaine. C'est de faire en sorte que dans notre pays, nous puissions améliorer les conditions de travail pour que les salariés travaillent dans de bonnes conditions. Donc vous pouvez me poser 25 questions. Vous pouvez peut-être me poser autant de questions qu'il y a personne sur le grand point. Mais j'ai eu l'occasion de répondre, et ce qui est important, c'est que nous puissions continuer à avancer avec tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui veulent améliorer les conditions de travail en France. Mais les gars sont du coup, sont quand même... Si vous avez demandé un rendez-vous, peut-être on est reçu. Merci à tous. Vous avez été plus dur quand même ce matin dans vos propos. Comment? Sur les manifestations, vous avez été plus dur ce matin. Comment vous que vous avez dit qu'elles ne sont pas spontanées. Non, les manifestations sont rarement spontanées. La présence des organisations syndicales, de la France Insoumise et de l'extrême gauche en sont la démonstration. Merci à tous. Merci. 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 Merci.